Voilà la réponse que je viens d'envoyer à la gendarmerie de Satane. Attendez, je vais les retrouver. Je vais juste vous montrer le vrai numéro. Vous voyez que. Voilà, ça c'est le numéro, gendarmerie de Satane. Ok, comme ça vous pouvez le noter. Et vous aussi leur envoyer des avis de courtoisie et leur dire qu'est-ce qui se passe. Donc, 06 90. 10, 47, 15, 48. Ok ? Donc voilà ce que je leur ai envoyé ce soir, parce que j'ai pas l'intention de gaspiller du papier, de l'argent des recommandés. Donc par texto, c'est valide juridiquement. Ils sont permis de m'envoyer des textos, je leur réponds par texto. Donc en fait, j'avais écrit un premier texte qui s'est effacé, et j'avais mis des PS, il a fallu que je réécrive le texte, qui est évidemment un peu moins pertinent. Donc on commence par les PS. Vous avez manqué de respect à Marius Bourgeois, un homme de 60 ans, pour un fallacieux prétexte de permis suisse absolument valide en France. Vous avez importuné à plusieurs reprises des jeunes de Sainte-Anne en les provoquant volontairement, notamment en posant vos mains sur le crâne d'un chien staff par pure provocation. Vous avez importuné de vieilles dames sainte-annaises tout à fait respectables pour de fallacieuses raisons de fiction légale. À chaque fois, vous êtes présenté comme ayant une attitude péremptoire, agressif, hors ou à la limite des textes fictionnels que vous prétendez représenter, et toujours condescendant, voire faisant preuve d'un racisme à peine dissimulé. Sachez que nous, Sainte-Année, nous parlons ensemble. Sachez que nous, Sainte-Année, ne laisserons pas un de nos enfants traiter comme vous traitez les vôtres, en les assassinant de plein droit, dites-vous, dans vos rues. Le droit des êtres humains est inaliénable et incontestable par quiconque sur cette terre. Prenez-en bonne note. Donc, j'avais signé « Être humain incarné de chair, doté d'une âme, Philippe affilié par Ouidir à la famille Bourga. » Et là, c'est le texte que j'ai donc dû réécrire. « Vous vous êtes de nouveau présenté ce jour sur le sceau de l'entité commerciale fictive dite police nationale. Vous avez encore tenté par la ruse et la tromperie, sans me dire que votre proposition de contrat ne s'adresse qu'à l'entité fictive, et non à l'être humain incarné. Vous l'avez fait alors qu'en tant que voix unique et plein administrateur de mon entité fictive Philippe Bourga, moi, l'être incarné de chair et de sang, sur lequel vous n'avez aucune juridiction, je vous ai envoyé les coûts et les conditions de ma proposition de contrat, dont vous n'avez pas tenu compte, selon les lois qui régissent les entités commerciales et leurs rapports entre elles en France. Vous l'avez fait contre votre serment qui vous oblige à défendre les lois communes, et qui vous oblige donc à m'informer que votre soi-disant jugement ne s'adresse qu'à l'entité fictive et non à l'être humain. C'est donc clairement une tentative de mise en esclavage d'un être humain par une personne dépositaire de l'autorité de l'État, article 432A du Code pénal. C'est donc par la ruse et la tromperie que vous avez illicitement tenté d'obtenir ma signature et donc mon consentement. Je me vois donc obligé d'éditer la facture en y ajoutant 35 000 euros de frais de dossier. Soit 500 000 euros, article 432A, 200 000 euros, article 430A et suivant. 10 kilos d'or pur, 24 carats pour harcèlement, utilisation de la fraude au certificat de naissance, allégeance envers l'ennemi des peuples, la banque. Vous pouvez vous gausser et sourire. Je suis l'observateur et le comptable de vos actes, afin que toutes les traces de votre collusion volontaire avec l'ennemi ne fassent aucun doute dans l'esprit de ceux et celles qui auront à leur tour à vous juger pour vos crimes, pour faire valoir ce que de droit. Merci de transmettre à l'administrateur de ce dossier allégué juge d'instruction ma déposition. Philippe, être humain incarné, doté d'une âme et affilié par Ouidir à la famille Bourorga. Ne vous étonnez pas de ne rien comprendre à ce que je vous dis, à force de parler petit singe comme vous l'avez fait avec Marius, cela laisse fatalement à terme des traces profondes. Quant à tenter le coup de la psychiatrie, si vous voulez vous ridiculiser et que 500 personnes viennent tenir le siège devant chez vous avec force de caméra et de relais médias, ne vous gênez pas, allez-y. Blessed les humains. Donc ça, c'est l'avis de courtoisie, j'en écrirai pas, j'en enverrai pas, ils l'ont, c'est écrit, c'est sur son numéro, c'est légal, je vais juste le retranscrire, je l'ai retranscrit par vidéo, je le mets en ligne, voilà la date officielle de ma déposition à moi devant l'univers. La prochaine fois que je les vois, voilà ce que je vais leur dire. Moi, j'ai les pieds sur la terre, cette terre, elle appartient à qui? À la France? Au préfet?
Cette terre, elle appartient à Dieu. L'air que je respire, il appartient à qui ? Il appartient à Dieu. Donc sors de mon air et sors de mon sol. »